Pour libérer le pays qu'on enchaîne. Juarez, nous sommes considérés comme les derniers de notre régiment. Que devons-nous faire à ce sujet? Je ne sais pas du tout, Jacques. Je tuerai pour une baguette. J'espère juste vraiment que ma famille est en sécurité à Toulouse. Eh bien, tu sais ce que je te vois derrière. Attends quoi? J'ai entendu dire que le 3e régiment étranger s'occupait de Toulouse. Oh, tu veux dire la Légion irlandaise? Je suis content qu'ils aient la garde de Toulouse. Oui, mais Paris, c'est vraiment dangereux d'autres morts de les autres et bien plus encore. J'ai vraiment soif de pouvoir boire des bouteilles de jus. Ah, je ressens un peu la même chose aussi. Nous allons essayer d'en trouver probablement par ici, ce n'est probablement que nous. Ah, nous pourrions. De toute façon, avez-vous entendu parler de ce supposé traité de paix parce que c'est une sorte de fléau? Enfin, pas vraiment, mais hier j'ai vu une étrange créature humanoïde et il n'avait pas l'air amical. Ses détails étaient minces et pâles avec des traces de blessures sur son corps. Vraiment? Alors c'est peut-être pour ça qu'il morde les autres. C'est juste des cauchemars. Eh bien, qui sait? Peut-être qu'ils viennent juste de mes yeux. Les légendes disent aussi que certains paysans ont mangé des rapporteurs de certaines maladies et les ont tués. Ouais, je suis surpris qu'ils ne donnent pas assez à manger aux Parisiens. C'est à ce moment-là que la Révolution française est arrivée parce que ces salauds de perruques blanches n'ont pas nourri leurs honneurs vivants. Eh bien, c'est là que l'ère européenne a commencé. Je suis d'accord, c'est juste que j'avais presque oublié que je venais d'une famille aisée de Saint-Tropez. Je veux dire, on revient des autres guerres de la coalition. Oh ouais, la coalition, tu as raison. Et bien hier, je viens d'avoir une marque sur mon visage à Hougomont qui ressemblait à un coup de mousquet. Oh, tu dois être recousu immédiatement, sinon ça pourrait être infecté. Tout ira bien et en plus, il n'y a pas de chirurgien dans les parages ni tout le monde qui ne pourrait pas venir. Ce monde est apocalyptique. Eh bien, Dieu merci, nous avons un abri, le temps est toujours un fléau. Devrions-nous continuer? Ouais, allons nous dégourdir les jambes. Tu penses qu'on peut trouver des retardataires? Eh bien, je ne suis pas vraiment sûr, mais nous verrons.